Père, sont financés et sont maîtrisés par des sociétés de projet intégrant les collectivités qui ont une gouvernance suffisamment forte pour pouvoir dire il n'y aura pas plus d'éoliennes, le territoire n'en veut pas. Oui, mais... Et pour pouvoir maîtriser dans la durée, puisque la société, quand la délibération... Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, il est, je ne me suis pas renseigné, c'est la société Neoen, etc. C'est la même. Et encore une fois, c'est pas, enfin, je demande vérification par rapport au préfet. Et ça ne s'est pas fait, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la société Solenval, il y a une décision à l'unanimité prise par la représentante du territoire, qui est Madame Babou, qui choisit à l'unanimité le nom d'éolienne, et comme sur toute la durée de vie du parc, cette gouvernance est maintenue par les collectivités, ça veut dire que sur toute la durée de vie du parc, si le développeur privé souhaite élargir le parc, les collectivités représentées par les élus pourront dire « stop, on en a assez ». Et c'est comme ça que le territoire maîtrise le développement. On a 90%, on a 90%.